So in come the Stallions again for the lineup, for the judging, 7 minutes of comparative judging from our international judges panel, starting with number 136. So please keep a safe distance between the stallions during the lineups. Merci de bien veiller à garder une distance suffisante. Please keep your distances between the horses. Thank you.
The Stallion Class is sponsored by Jasimiya Farm under the patronage of Adbastad, the stud farm of His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz. Lovely lineup again with our Stallions contenders for the 2014 World Championships. I think time is up now. The Stallions may return to the collecting ring. And we have a lot for you in store. Merci, vous pouvez regagner le paddock. Comme il est, encore une fois de plus, de tradition, le Hara Adbastad
aura de son Altesse Royale, Prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz, tient à récompenser le meilleur reproducteur. Vous trouverez le barème de calcul de ce trophée spécial dans votre catalogue. Best Sire Trophy Award presented by Adba Stud, the stud of His Royal Highness Prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz. Will be presented in just a moment by Adba Stud. And this best stallion, you probably guessed, as he has already been for countless years, it is Marwan Al-Shaqab. Il ne sera pas avec nous, Marwan Al-Shaqab, ce multi-champion du monde. Il a été champion du monde en 2001, en 2002 et en 2008. Marwan Al-Shaqab, one of the best sires of the Arabian breed today. Sire at Al-Shaqab Stud. The trophy will be awarded by the representative of Adba Stud, the stud farm of His Royal Highness Prince Abdelaziz bin Ahmed bin Abdelaziz. So I'd like to have Mr. Muhammad Al-Sulaiti here to collect the trophy for Marwan Al-Shaqab. The trophy will be presented by His Royal Highness Prince Turki bin Abdelaziz bin Ahmed bin Abdelaziz Al Saud for Adba Stud to Mr. Muhammad Al-Sulaiti, General Manager of Al Shaqab Stud, for the win of the Best Sire Trophy of Marwan Al Shaqab. I don't know how many years it's been, I think at least 5 or 6 years running. Congratulations to Marwan Al Shaqab! Son of Ghazal Al-Shaqab, trophy awarded for Adba Stud by His Royal Highness Prince Turki bin Abdelaziz bin Ahmed bin Abdelaziz for Adba Farm. Marwan Al-Shaqab, son of Ghazal Al-Shaqab, out of Little Liza fame, by fame, a more than a famous stallion, as you know. Thank you very much, Tahanina, congratulations. Thank you, Your Highness. Nous vous annoncions la médaille de platine, le championnat de platine, Platinum Trophy. There was just one horse running for this trophy. He will be entering the ring in just a moment. He's been competing, you've seen him. He was under number 158. C'était le numéro 158 dans la classe. En fait, il était seul dans sa catégorie pour le championnat de platine. C'est un champion du monde déjà très connu au Moyen-Orient et en Europe. Place à Marquis. Marquis est un fils de Marwan Al-Shaqab. Tiens donc, encore lui. Notre meilleur reproducteur, un fils de Marwan Al-Shaqab donc, et Rohara Magnifica par Echo Magnifico. He's won countless championships now in Europe, in the Middle East, and world round, as well, I think, as in America. Shown by Philippe Ozé, who's been handling Marquis from the very beginning, I think, when he was a yearling. He was already with him. He belongs to Al Khalidiya Stables, the stud farm of His Royal Highness Prince Khalid bin Sultan bin Abdelaziz Al Saud, who I think will be with us in just a moment with our Platinum winner, the only one of his category. C'est une très grande chance pour nous et un grand honneur de recevoir Marquis, le cheval vedette, l'étalon vedette d'Al Khalidiya, le hara de son Altesse Royale, le prince Khalid bin Sultan bin Abdelaziz Al Saud, qui nous fait l'honneur et le plaisir de rejoindre son cheval. فنرحب في غاية السرور حضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مالك
استبلات الخالدية. With the famous Marquis, avec Marquis Cheval Vedette qui a remporté pour Al-Khalidiyya des championnats du monde, des championnats d'Europe, des trophées à Dubaï, partout dans le monde. Il est reproducteur, bien entendu, à Al-Khalidiyya. Là, il va s'en aller avec son General Manager, Sheikh Mutlaq bin Mushrif. Et oui, là, ses aficionados, son Altesse Royale, le prince Abdallah bin Khaled bin Abdelaziz, est avec nous. Tahanina, lehadahi. Botola tel platinium, 214. He was the only one, but he really deserves it. A very charismatic stallion indeed that we've been enjoying ever since he started here in Paris. As a young two-year-old, I think it was. He was a world champion in 2001, world champion in 2002, and again world champion in 2008. The son of Ghazal Al-Shaqab, out of little Lisa Fame by Fame. Thank you very much, Tahanina. وكثيرا من الشقاء. And we'd like to have maybe the Thank you very much, Your Royal Highness. Gold medal, senior male, 2014 for Qatar and Al-Shaqab Saad. Kahil Al-Shaqab. Another son of Marwan Al-Shaqab, mind you. Et c'est Kahil Al-Shaqab, le numéro 145, qui remporte la médaille d'or 2014 chez les étalons, le trophée le plus convoité de ces championnats du monde. C'est un fils de notre meilleur reproducteur, Marwan Al-Shaqab. Sa mère, c'est Mishan par Misha. Il est né Al-Shaqab. Congratulations, Giacomo, with Kahil Al-Shaqab. Médaille d'argent, médaille al-fiddiya للمملكه العربيه السعوديه. Eden C للسيد ستاد. Silver medal number 157 for the Kingdom of Saudi Arabia and al-Sayed Stad Eden C. Eden C is the son of Enzo. There he is. Bronze medal, médaille de bronze, numéro 136, Équateur pour Mihajlov et la Pologne. 136 for Poland, Équateur and Mihajlov Stad. Prize-giving ceremony will be presided Fahd Bastad by His Royal Highness of Prince Turki bin Abdelaziz. Here he comes, our bronze medal, Équateur, la médaille de bronze, entre en piste. Paul Jassami Affam, there will be His Excellency Sheikh Jassim bin Khalifa Al Thani. He'll be presiding the prize giving ceremony with Jean-Luc Poulain, chairman of Seneca. Voilà, les entourages se mettent en place. Nous allons pouvoir procéder à la remise des prix, mais auparavant, en l'honneur de notre médaille d'or, que retentisse Al-Salam Al-Watani, l'hymne national du Qatar.
تهانينا لهذا الفوز المتميز pour le Maroc. Présentant cette magnifique salle d'honneur, c'est M. Larsen Fadael, directeur général du Hara de Bouznika, qui s'approche donc de l'entourage de notre vainqueur, Kahil Al-Sharab, du Hara de Al-Sharab, représenté par Mohamed Soulaïti. M. Jean-Luc Poulain, président du Sénéca, est également avec nous pour nouer l'écharpe autour de l'encolure de Kahil Al-Sharab, le magnifique fils de Marwan Al-Sharab. QWF Michal par Micha. Pendant que Céline derrière nous, les top 10 qui seront récompensés quelques instants par Al-Jasmi Afam et Abbastad. Abbastad representing by His Royal Highness Prince Turki bin Abdulaziz. And we'll go with our silver medal with Sheikh Jassin bin Khalifa with us. Silver medal Eden C for Al-Sayed Stad. Stud farmer, Mr. Bassam Al-Sayed, for the Kingdom of Saudi Arabia. C'est l'Arabie Saoudite qui est récompensée donc par Jean-Luc Poulain, par M. Larsen Fadael pour le Maroc. En vous rappelant que ces championnats du monde sont placés sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Eden C is the son of Enzo and of Silk and Sable by Genesis. Médaille de bronze pour la Pologne, for Poland, very deserving. Ecuador for Michał Stad, represented by his general manager, Mr. Jerzy Białobok. Michał in bronze with his son of QR, Mark, out of Ecliptica by Extern. Anna Stoyanovska is also with us, presented with a prize by Larsen Fadael with the bronze stirrup. Their Royal Highnesses will be with us. His Royal Highness Prince Turki bin Abdulaziz representing Adbastad, Sheikh Jassin bin Khalifa Al Thani for Jasmiya Stad. And we now have to congratulate our top 10. Sheikh Jassin bin Khalifa Al Thani is now congratulating our top 10. This is Fakhra Al Khalidiyya for Al Khalidiyya Stables. C'est le 141 qui est récompensé par Sheikh Jassin bin Khalifa. Ensuite, Bahir Al Marwan, le 147, qui représente Al Sakran Stad avec notre grand ami David Boggs. Muntasar Al-Zubayr for the Nassim Saad, and that's for Bahrain. Et nous avons été très heureux d'accueillir des représentants du Royaume du Bahrain, for the Kingdom of Bahrain. That was Muntasar Al-Zubayr for the Nassim Saad. Egypt again with Adham Saqar, owned by Al-Farida Saad and Tariq Hamdi. Straight Egyptian by Imperial Madori, out of Amira by Habil. Un Égyptien encore récompensé, Al-Farida Stad, appartenant à Tariq Ahmad Hamdi. Ensuite,
the next top 10 to be awarded. Le prochain top 10 à récompenser, c'est bien sûr notre représentant français, c'est Imbayar Qatar. Même s'il représente le Sultanat d'Oman, il est français. Il est très cher au cœur de tous nos éleveurs, Imbayar Qatar, ce fils de Padron Zemez et Shamila Baguera, qui a gagné les championnats de France, je crois, plus d'une fois. Le rat royal de Buznira avec T.S. Apollo, par T.S. Don Brave et Fairness, par Ali Jamal. Avec M. Larsen Fadail, son directeur général, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cheikh Jassim Ben Khalifa s'approche maintenant de notre dernier concurrent récompensé en top 10, Rohara Bakara for Al-Faris Arabians for Great Britain. And he was a best mover in the mail. C'était le meilleur note pour le mouvement, pour les mains. En laissant un petit peu de temps pour les photographes, nous en venons maintenant à la fin de nos championnats du monde 2014. Et nous remercions tout particulièrement M. Jean-Luc Poulain et le Sénéca d'avoir organisé encore une fois pour nous. Ça fait 30 ans que ça dure, je crois, un peu plus. En tout cas, remercions encore une fois de plus le Sénéca d'avoir organisé ces merveilleux championnats. Christiane Chazelle était la consultante, disons la directrice du concours. Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux pays, d'avoir un champion d'Uruguay. Nous avons eu le royaume du Bahreïn. Nous avons eu donc des nouveaux pays qui ont concouru cette année. Thank you for your presence and many thanks to all the owners, breeders, trainers who have been with us. Thank you all for having been such an appreciative crowd. And see you next year in 2015 at the Salon du Cheval et du Poney. Nous vous remercions encore. Merci à vous tous d'avoir été un public si enthousiaste pour nos chevaux d'arabe, pour ces merveilleux chevaux qui le méritent bien. Et oui, vous pouvez les applaudir une dernière fois. Top 10 are leaving us. See you next year in 2015. Avec un dernier tour d'honneur de notre médaille d'or, champion du monde, Kahil Al-Shakhab. Médaille d'argent, Eden Sea. Et Équateur en médaille de bronze. Bravo à vous, messieurs.